Bonjour à tous et bienvenue pour un épisode de Immortal Phoenix Rising. Eh ben, aujourd'hui on va continuer. Hein. On avait délivré Aphrodite. On est sur le point de délivrer Arès. Et puis on va continuer à délivrer les dieux. Enfin, libérer les dieux. Enfin, on continue d'aider les dieux. Là, il nous en reste deux. Et si j'ai bien compris, je crois qu'après, on a quatre boss à affronter avant d'affronter Typhon. De toute façon, on a encore le temps, mais... Et je ne sais pas vraiment, parce que vu que les dieux, on les aide assez vite. Enfin, assez vite. Un par épisode, mais... Alors... Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, on doit aller aider Arès, donc on va au hall des dieux. Oh. Bah dis donc. Ah bah je vais vous montrer, puisque quand je vais aider Arès, je vais mettre mes points de... je vais améliorer mon épée, mon armure et tout ça. Sûrement mon soin aussi. Tu es réellement plus belle que jamais, Aphrodite. Même si j'adore la halle des dieux, et je suis sincère, elle avait besoin d'un peu plus de moi. Pas d'un peu, de beaucoup. Tant mieux, trésor, parce que ça ne fait que commencer. Alors, où est notre ami Arès? Il est là. Tu es là! Mais dans quel état? J'y ai laissé pas mal de plumes, à cause du stress. C'est parce qu'Aphrodite est ici? Tais-toi! Non! J'ai l'air de quoi? Là, comme ça? D'un poulet. Mais ça va bientôt s'arranger. Bon bah, on s'en occupe maintenant. Écoute. Ouais, je ne suis pas doué pour les remerciements, mais tu m'as sorti de la panade. Malgré quelques prises de bec. Oui, oui. Débarrasse-moi de mon apparence de galinacé. Pour triompher, je vais avoir besoin d'un allié de poids. Je fais appel à ta force, à ta rage. Arès, dieu de la guerre, combat à mes côtés. Champ de bataille, qu'on me jette une arme. Il faut que je frappe quelque chose. Oui, Arès, ça ne va pas tarder. Tout me revient maintenant. Tu as trouvé ce que tu allais dire pour regagner le cœur d'Aphrodite? Mais qu'est-ce que je suis bien foutu. Je vais laisser parler mes becs. Oui, content que tu te sentes mieux. C'est grâce à toi, Phoenix. Mais nous n'en avons pas fini. Tu reviendras, j'aurai des tâches à te confier. Il est temps de remettre de l'ordre ici. Salut, salut à tous ceux qui arrivent.
On va lui parler une fois vite fait. Oh, attends. D'abord, il m'a donné du stuff. Enfin, je crois. On s'en fout. Tu vois ? Non, j'aime pas. C'est vrai, c'est mon arc qu'il faut que j'augmente. Attends. Bon, bref. Non, gros de bouton. Alors, ô dieu de la guerre, je parie que ces tâches sont de nature militaire. Ça, tu peux le dire. Oh, douce vengeance. Typhon va bientôt sentir sa douleur. Mais avant, tu vas aller dire deux mots aux Spartes qui se sont moqués de moi quand je n'étais qu'un oiseau. Tu y gagneras une armure de premier ordre. Il suffira de la prendre sur eux. Ce n'était pas malin de leur part de se moquer de quelqu'un dont le nom se termine par « de la guerre ». Les Spartes ont plus de muscles que de cervelle. Mais je veux que tu leur montres qu'ils ont vraiment eu tort. Arrache-leur les plumes et fais-en un coussin. Je vais les retrouver pour toi. L'autre tâche que j'ai à te confier est d'une importance cruciale. Elle fait appel à une jarre en bronze. Et je n'en dirai pas plus. Eh bien, j'ai trouvé cette jarre, au brisant. Ah ah ! Donne-la-moi. Doucement. Je connais cette jarre de par mes récits. C'est celle où Autos et Ephialtes t'ont enfermé, n'est-ce pas ? Ils ne m'ont pas enfermé, je suis tombé dedans. Quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir. J'y ai caché quelque chose d'important, que seul quelqu'un de ta taille peut aller chercher. Alors, au travail. Qu'est-ce que tu as caché ? C'est une urgence, je te signale. Tu te souviens que mes filles, les Amazones, ne me parlent plus. Eh bien, il y a quelque temps, j'ai emprunté à Aphrodite une ceinture pour l'essayer, disons, comme font les gens. Et je ne savais pas que j'allais me retrouver enfermé dans une jarre. Bref, j'ai perdu cette ceinture. Et pas question d'aller la rechercher. Plus jamais. Qu'est-ce que ça a à voir avec les Amazones ? J'avais offert à leur reine Hippolyte une ceinture. Alors, je la lui ai empruntée, et je m'en suis servi pour qu'Aphrodite ne se rende pas compte que la sienne avait disparu. Je rêve. Tu attends de moi que j'aille là-dedans uniquement pour que tes filles t'adressent à nouveau la parole ? Plutôt pour qu'Aphrodite ne s'aperçoive pas que sa ceinture tire des flèches enflammées, mais oui. D'accord. Merci, Phénix, tu me sauves. Il suffit de te pencher. Allez, vas-y. Je sais plus si Aphrodite m'avait demandé des tâches aussi comme ça. Belle esquive, hein. Ça a marché. Je suis dans une jarre. Eh oh, Arès. Je t'entends et je te vois, petit guerrier. Je vais t'aider, ici. Tu sais, tu aurais pu sauter toi-même dans la jarre, et je t'aurais aidé de là-haut.
quoi, cette ceinture? D'ordinaire, je suis le seul à l'avoir. Bon, exceptionnellement, il faut que tu la frappes. Mais surtout, tu gardes ça pour toi. Ah putain, ouais, j'ai vu. Ah, je suis dans la merde, j'avais plus de potions. J'avais pas fait gaffe.
Ouais. Je suis dans la merde au niveau soins. Alors c'est là-dedans qu'Arès a vécu pendant 13 mois. Ah, c'est gentil. Ça l'aurait tué de passer un coup de peinture et de dérouler un tapis? C'est toi qui as ordonné de punir les géants, tu te souviens? Hé, hey, ils ont voulu enlever ma femme. J'aime pas partager. Elle, elle adore. Est-ce que c'est... Oh oui! C'est la ceinture magique d'Aphrodite. Jaloux? Waouh! J'ai le droit de la toucher? Non, parce que je ne voudrais pas l'abîmer. Ne t'inquiète pas, il faut la porter pour activer sa magie du désir. Maintenant, remue-toi et rapporte-la. Et on est bien d'accord, tu l'as jamais vue. Aucun problème. Je veux dire, jamais vu quoi? Ah, d'accord. Hein? Oh! Hey, Arès! Un petit coup de main? Au shaker, pas à la cuillère. Deux sur quatre, ça vaut. Ouh, je n'arrive pas à croire que tu as passé un an là-dedans. J'ai le dos en compote. Ça reste un très mauvais souvenir. Bon, où est-elle? La ceinture d'Aphrodite? Je l'ai ici. Ça te va bien? On dit souvent qu'il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Je veux bien reconnaître que tu as raison, mais ne le répète à personne. À personne, t'entends? Tu as ma parole. À ce propos, il est temps de procéder à l'échange de ceinture avec Aphrodite. Je me demande combien de bleus je vais récolter cette fois. On dirait que ça te fait plaisir. Oh mais... Ah, d'accord, j'ai compris. Bon. Ah non, j'en ai que... Ah non, ça, les trucs, j'en ai que 5. Pour monter ma santé. Et ça... Ça, c'est pour monter mon... Ma barre bleue. Énergie améliorée. Ça, c'est pour améliorer mes armes. Ah ouais, faut que j'améliore mes... Ouais, déjà, fallait que j'améliore ça. Parce que la dernière fois, j'avais pas assez pour mon corps. J'améliore mon arc, quoique je tire pas à l'arc sur les monstres. Je vais améliorer ça. Améliorer ça.
Bam. Comme ça j'en ai plus. Bon, on va améliorer, hein. Histoire d'améliorer. Là j'en ai pas, là j'en ai pas assez. Ça. Qu'est-ce que j'améliore? On s'en verra plus tard. On va faire ça, hein. Ah oui, mais j'ai plus de grenades. Ah putain. C'est vrai que j'ai plus de grenades. J'ai plus d'El Grenado, d'El... Ça je m'en fous. Ah non, ça je m'en fous aussi. Je crois que c'est ça. Ah oui, ça c'était avec les pièces, machin. Ouais, non, ça pour l'instant, je m'en fous. Ben, c'était où les... C'est là? Non? Ah non, c'était là, les éclairs de Zeus, je crois. Ouais, si, c'est ça. Donc c'est bon. Je vais parler vite fait à Aphrodite. Tu as envie d'acheter? Non, en fait, ils vendent que des trucs où je dois payer avec du vrai argent, je crois. Donc, c'est pas... Je vais voir si Aphrodite... Alors, Arès, c'est toi? Je sais. Je ne comprends toujours pas comment Typhon a réussi à le réduire au format poulet. Il m'enivrait de récits guerriers jusqu'à tard dans la nuit. Nos cœurs battaient à l'unisson. C'est un conteur, comme moi? Non, plutôt un acteur. Il me régalait encore et encore. Et quand il pensait ne plus pouvoir me régaler... Je trouve un moyen de lui prouver le contraire. Ah, je vois. J'aime qu'on me régale. Oui, oui, on a compris. Ah oui, c'est vrai que lui, il voulait que j'aille voir... C'est où? Vaincre les Spartes et récupérer l'armure. Bon, ben allons vaincre les Spartes. Pardon, excusez-moi. Ah bah c'est les dieux, hein. Les dieux, c'est comme ça, hein. Surtout Aphrodite, déesse de l'amour, donc c'est pas joli rigolo avec un titre pareil.
Si tu t'appelles le dieu de la... Si tu t'appelles Aphrodite, dieu de l'amour, et t'es frigide, bah non. Ça marche pas. Je crois que c'est dieu de l'amour et de la beauté, ou un truc comme ça, je crois. Déesse de l'amour et de la beauté. Ah merde, je suis dans la merde. Ah bah non! Voilà. Suis-je bête? Alors, 1700, 1200. Sauvagerie, haine, disparaît dans les flammes. Admire. Ah, il va encore me faire chier. Avec ses conneries. Je suis déjà dans la merde alors. Non, je dirais que le dieu de la baise, c'est Zeus. Le nombre de fois qu'il est descendu sur Terre pour se taper quelqu'un, pour se taper une humaine, soit habillé en... soit il change souvent d'apparence. Pour l'or échapper au spectre et à la rage. Mais il savait que Typhon attendait son heure. Oh non, les casse-couilles. C'est bon, lâchez-moi la grappe, quoi.
Approche, mon joli. Il me fout de la vie. Putain, je suis où là? Ah bah oui, c'est derrière. Bon, on va essayer d'éviter les monstres, hein. C'est à cause de ma vie en fait. Comme je suis presque mort, l'écran est devenu terne. Pour dire attention. Ils ont fait comme dans certains jeux où l'écran devient limite noir et blanc. Merde. Il y a pas mal de monstres par ici. Ouais, c'est par là, hein.
De toute façon, je pense que je vais mourir, c'est inévitable, mais... Voilà. C'est revenu plus beau. Alors, ce serait là alors. Non, c'est pas là. Encore un truc bizarre que j'ai pas compris. Attends, je comprends pas, quand je suis dessus, ça enlève la barrière. Enfin, ça enlève je ne sais quoi, le truc d'en dessous là. Ah, quel con, j'aurais dû sauter d'ici, d'accord.
Ah d'accord, ils m'ont filé des variantes. Attends. Ah, tu peux changer la couleur, enfin la couleur des yeux, tout ça. Ouais, non, c'est pourri en fait. Bon, bref. Excusez-moi pour cette, pour ça. Allons voir les Spartiates. Alors, il serait par là-bas. Mais y a rien en fait. C'est pourri. J'ai failli me noyer. Ah, c'est ça. Ce serait là. Donc ce serait là. C'est bizarre ça. Yeah.
partent au nom d'Arès, Phénix trouva un élément d'armure brisé. Il allait devoir en chercher l'autre moitié. Le Vénard, accomplir une vengeance. C'est mon jeu favori, ça. Bon. Ça va, il était pas trop compliqué. En haut, d'accord, c'était là-bas. J'espère que son armure, elle vaut le coup, hein. L'autre partie d'armure, Phénix remarqua qu'elle était en mauvais état. Dommage, parce qu'on n'est pas vraiment au pays de la forge. What? Il veut. Il faut que j'allume ici. Jamais auparavant, les yeux d'un mortel ne s'étaient posés sur quelque chose de si grand, de si munificent, de si spectaculaire, de si
Bon, ça va. Tu vas arrêter de t'exciter tout seul, oui? Ah, mais que veux-tu? La forge d'Héphaïstos est tellement belle. Ah, je pense que c'est le prochain dieu que je vais libérer, ça. Héphaïstos. Mais elle est fermée. À cause du confinement. On va voir si on peut passer par en haut, j'ai vu qu'il y avait des trous. Oh putain! Ah putain, c'est fermé! Ah, elle est belle! C'est fermé! Je pense que je dois faire. Je pense que je dois réveiller. Enfin, réveiller. Des nouveaux adversaires, des robots. J'entends scintiller, ça doit être... Ah putain, c'est au-dessus encore? Non, j'ai pas l'impression que je peux y accéder comme ça. Ah là là, le demi-tour. Ouais non, le vent il monte pas plus haut que ça. Hein. Je sais pas comment je fais pour aller là-haut. Ah.
cool. Pas ce bouton là, c'est ce bouton là. Donc du coup, ouais. Donc du coup, rallumer la forge, bah je sais pas comment on fait. Je vais venir, je vais aller ici en fait. Pour faire bah pour essayer de libérer le dieu. Parce que la forge non, la forge je ne sais pas comment faire. Mais c'est pas grave. Je pense que si j'aide Hephaïstos, il va peut-être me dire d'aller allumer la forge et... Ah moi j'ai pas vu, à moins que c'était les deux robots là. Ah ok, ouais tant pis. On verra bien. Joli sourire ici. Splendide. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien du tout. Enfin, quelque chose. Une chose. Je m'appelle Phoenix. Qui... Qu'est-ce que tu es? Oh, un dialogue? Avec moi? Allez, on s'est préparé. Pas de panique. Qui sommes-nous tous, au fond? Nous sommes le reflet de nos actes. Et moi, je fais de l'art. Je suis donc un artiste. Tu aimes cet art. Alors tu es un amateur. Je suis un guerrier. Frère d'un guerrier. Donc proche d'un guerrier. En tout cas, je suis là pour arrêter Typhon. C'est logique. Ne le prends pas mal. Mais tu ne ressembles pas à un amateur d'art. Ceci t'illuminera peut-être. Petite boîte? Quoi? Non, ça c'est ma période artistique précédente. Je l'ai signée d'ailleurs. Garde-la, ça me fait plaisir. J'y comprends rien. Tu es sculpteur? J'ai escaladé ta statue. Tu es Hephaïstos, c'est ça? Oh, je suis tellement heureux de te rencontrer. Non, pas celle-là. D'accord, très bien. Oui, c'est parfait. J'en ai d'autres. Nous devons retrouver ton essence pour avoir une chance contre Typhon. Tu sais où elle est? Non?
confusion ou extase? Es-tu habité? Non, c'est ma tête. Comment peux-tu faire de l'art à un moment pareil? Tu ne sais pas ce qui se passe? Tout ce que je sais, c'est que je l'ignore. Typhon, le monde entier a été pétrifié. Les dieux ont perdu leur essence. Il y a des monstres partout. C'est la fin du monde. Ça ne te dit vraiment rien? Pourquoi s'intéresser au passé quand on peut façonner l'avenir? Tu le façonnerais plus facilement avec des mains. C'est Typhon qui te les a prises, non? Il te les a arrachées, torturées encore et encore. Quelque chose comme ça? Tu ferais mieux de t'asseoir tranquillement avec ce Typhon, de discuter avec lui. Et non, mes mains en avaient assez de faire de l'art. Et elles sont parties. J'aimerais pouvoir dire bon débarras, mais un artiste sans main, c'est comme un amateur d'art obsédé par ce Typhon. Totalement inutile. Elles n'ont pas pu aller bien loin. Et qui sait, peut-être que les retrouver te bousculera la mémoire. Prépare-toi à applaudir quand je reviendrai. Plutôt que de réfléchir à une sculpture, je pourrais sculpter un homme qui réfléchit. Bon. Où sont ses mains? Ils sont ici. Allons chercher ses mains. J'irais peut-être faire de la popo avant. Voyons voir. Ah non, c'est un mec. Merde. J'ai cru que c'était un... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Allons-y. Thank you.
Ah mais c'est pas ses mains ici, donc je me suis trompé. Mais non, c'est pas ça. Ah, c'est pas possible. C'est ça que je voulais faire. Allez, U-cocotte. Ah merde, je pensais que je pouvais passer à travers. Too easy. Enfin, too easy. Disons, je m'en suis bien sorti. Ton monde brisé ne mérite pas ma perfection. Mais je suis clément. Bah t'étais pas typhon, tu t'avais dit. C'est quoi ça? C'est un défi. En cas d'échec, il ne restera rien de toi. Yeah!
personne avec des ailes dont on nous a parlé? Bon, allez. Merde, c'est pas ce que j'espérais. Par contre, je l'ai pas vu le... truc pour poser la boule, il est où? Ah d'accord, ouais, non mais... Laisse tomber la neige. Par où? C'était là et en bas, d'accord.
prends. Petite énigme. Comment ça, c'était pas le bon? C'était lui avant? Fait chier. Ah, nouvel équipement. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? 22% de défense. Ouais, 22% de défense, c'est bien aussi. Bon, il habite où, lui? Je suis TP, j'ai même pas regardé si j'étais à côté ou pas. Bon, tant pis.
Bon, heureusement que ça m'a redonné toute ma vie. Automate oublieux. Tu pourrais dire artiste. C'est la même chose. Regarde, j'ai retrouvé tes mains. Industrieux amateur d'art obsédé par Typhon, tu es plein de surprises. Ne bouge pas pendant que je... Alors, quel pouvoir m'a donné ? C'était quoi ça ? Enfin, quelle bénédiction m'a-t-il donné ? Toujours aucun souvenir, hein ? Non. Enfin, peut-être, hein. J'ai travaillé ici. Perle en eau agitée, feu de forge rallumé, enfant persuadé et esprit léger. Feu de forge rallumé ! Feu de forge rallumé, mais oui ! Ta forge fait partie de la prophétie ! C'est sûrement la réponse. Il faut que tu te rappelles. La forge, la chose lumineuse et bénie qui sortait de tes mains. Tu es un dieu. Flatteur. Et toi, tu as de très jolis yeux. Ah mais non, vrai dieu. Chez moi, j'ai raconté des dizaines d'histoires à ton sujet. Des mythes, des légendes, des dieux et des monstres. Tu es Héphaïstos, le dieu de la forge. Tu te souviens ? Je me voyais plutôt comme un Patrick, ou Gladys. Patrick ou Gladys. Bon, ça marche pas. Il faut réveiller tes souvenirs pour trouver ton essence. Je veux que tu réfléchisses. Comment allume-t-on la forge ? Les conduits d'aération envoient de l'air vers quatre fourneaux à charbon. Un réseau de canaux apporte de l'eau glacée au sommet à l'aide de roues hydrauliques. La combustion centrale est contrôlée par deux mécanismes situés au cœur de la forge. Comment tu sais ça ? Quoi ça ? Peu importe. Dégager les conduits, allumer les feux, libérer les roues, ensuite quelque chose avec les mécanismes. Reste ici et empêche ses mains d'aller se promener. Plutôt que de peindre une soupe, je pourrais plutôt peindre un four dans la soupe. 30 secondes, je regarde vite fait la bénédiction qu'il m'a donnée. Les esquives parfaitement synchronisées génèrent une étincelle infligeant 92 de dégâts aux ennemis proches. Bah c'est bien ça. La parade parfaitement synchronisée génère un puissant onde de choc infligeant 195% d'étourdissement. C'est bien aussi ça. Et les coups d'achèvement infligent un temps supplémentaire de 10% de dégâts. Il est bien lui, Héphaïstos. What? Je dois faire tout ça? Alors, allumer les cheminées. Cheminée. Rallumer la forge de Dieu. D'accord. Débloquer les roues hydrauliques. Roues hydrauliques. Allumer la cheminée et fourneaux de la. L'aide de le charbon. Bon, on va faire ça, hein. On va faire ça en premier, puis après on ira faire les roues. Merde. Mon cheval ne saute pas.
qu'un de ces fourneaux ne brûle. Il doit bien y avoir quelque chose permettant de les allumer. Alors, voilà. Ah ! Bah ça n'a pas l'air si dur. Je pense que si je fais ça... Non ? Ou peut-être aller voir dans la cheminée. Non plus. Merde. Pas l'air ça. J'y croyais pas plus que ça. Non plus. Ah bah voilà. Pas du tout. Faisons ça avec les autres. Où se trouve-t-elle? Tiens, j'en ai une sur ma gauche là. Là-bas. Bah c'est toujours là-bas.
C'est pas ça, si. Mais non, c'est pas ça. Là, il y en a une. Voilà, plus qu'une. Dans sa tête. Yeah!
La forge n'est pas repartie. Il faut peut-être faire autre chose. Alors, maintenant... Allons par là-bas. Allons ouvrir les hydrauliques. Ah, intéressant. Tu cours dessus avec ton cheval, il les récolte. C'est bien. Sur la bonne route des hydrauliques? Oui, je suis sur la bonne route des hydrauliques. En explorant l'antique forge des Phaistos, Phénix en découvrit l'élément essentiel. Les roues hydrauliques. Pourquoi ça a besoin d'eau, une forge? Bon, Zeus, mon domaine, c'est l'avenir, pas la métallurgie. Oui, j'ai vu qu'il y avait des cailloux juste après. Ah, j'ai mal à mon épaule. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est ça.
pulsion de vie. Alors. Comme ça. La deuxième, elle est... La deuxième, elle est juste en face. Et de deux. La troisième, elle est ici. Non, attends. 2 sur 3. Ah merde, j'ai pas... J'ai l'impression que je l'ai pas fait, l'autre. Ouais, j'en aurais oublié un. Ah oui, j'en ai oublié, d'accord. Honte à moi. Libéra davantage la gorge, toujours prisonnière des griffes de Typhon. Mais notre pauvre mortel ignorait que le pire était à venir. Ah merde, y a pas de TP pour aller jusque là-bas. Pas grave, je vais faire ça, je vais descendre me faire des popos, je vais remonter et je vais essayer de voler le plus loin possible jusque là-bas. Ah.
C'est parti. Allez, le dernier et on ouvre la forge. Quelque chose obstrue la ventilation de la forge. Voilà, sale bête. Phoenix dégagea le premier conduit, mais comprit qu'il devait y en avoir un autre. Yeah.
Eh ben, je suis pas fan des robots. Hein. Bizarre. On va combler avec ça. Hein. De toute façon, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il faut faire. Si c'est pas ça, tant pis, j'ai trouvé ma propre solution. C'était ça l'odeur. Oh. À un moment, j'ai cru que c'était moi. Conduit dégagé, écoulement d'eau, fourneau allumé. Maintenant, rejoindre le cœur de la forge. Ouais, ben non.
Ah, mais ça, c'était pour aller mettre ça là-bas. Oh, d'accord, mais en fait, je m'en fous. Alors. Bah ouais, faut que j'aille à la forge. Allez, on est parti. Ah mais tourne-toi. Un peu pénible à déplacer dans les airs mais... Bon allez. Qu'est-ce que je fais? Bon, encore une petite énigme, ça va.
Ah putain, je suis débile. H. De quoi? Ah non, c'est pas ça. J'ai fait n'importe quoi. Et celui-là correspond à la statue, dehors. Ce ne serait pas des indices. Ah là là, les énigmes sont faciles et j'arrive encore à me planter, quoi. Merde. Ce qui est logique pour une forge. Et celui-là pourrait être un marteau. Héphaïstos possède le marteau le plus puissant jamais fabriqué. Je l'imagine avec de la neige, mais enfermée dans une boule qu'on agiterait pour simuler une tempête. On pourrait même y mettre un petit monument. Héphaïstos, tu es là! C'est comme si la forge m'avait appelé. Je n'ai pas pu résister. À ce propos, j'ai dégagé les conduits, allumé les feux et fait tourner les roues hydrauliques. J'ai même débloqué d'étranges glyphes à l'intérieur, mais il ne s'est rien passé. Eh bien, j'en ai parlé à mes mains, comme chacun fait, et elles m'ont dit qu'elles étaient essentielles à l'opération. Elles doivent toucher des choses. Toucher. Zeus. Bah oui, mais le... Cet endroit est très ancien. La Handville, elle est cassée, elle est coupée en deux. Tu as construit cette forge tout seul. Moi ? Mais si terne, si sale. Sans parler de l'éclairage.
Attends, on sait pas ce que ça va faire. Salut! Eh merde! J'ai pas esquivé au bon moment. Yeah!
Héphaïstos, montre-toi. Ah, tu n'as rien. Qu'est-ce que c'est? Il y a tant de souffrance dans ces marques, de chagrin, de douleur. Du grand art. Je crois que tu as essayé de nous laisser un message. Moi? Comme c'est avant-garde. Tu as sûrement laissé un indice qui te permettrait de retrouver la mémoire, mais quelque chose d'incompréhensible pour Typhon. Tu peux déchiffrer ça? C'est incomplet. Héphaïstos, tu es un génie! Oh, il manque un morceau. Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Ce n'est pas ta signature, Héphaïstos. C'est le reste de l'énigme. Un marteau, un feu de forge, la statue et cette boîte. Est-ce que tu sais ce que c'est, Héphaïstos? Naturellement, il l'ignorait. Mais tous deux étaient en présence de la boîte de Pandore. As-tu osé encore l'ouvrir sur ce sujet, toi? Si je t'ai enchaîné à ce rocher, c'est pour avoir offert le feu aux mortels. Et la boîte de Pandore, tu sais ce que c'est? C'est leur châtiment. Tu as obligé ton fils Héphaïstos à forger une boîte capable de leur infliger tous les malheurs du monde? Elle est belle, ta justice. Héphaïstos a été ravi de s'exécuter. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a fait ce que tu lui ordonnais que parce que toute sa vie, tu n'as eu cesse de le torturer. Bon, tu arrêtes de parler de mon fils. Si Pandore a ouvert cette boîte, c'est par curiosité innocente. Toi, tu as agi par mépris. C'était un avertissement, et regarde ce qui s'est passé. Les mortels se sont entretués et ils ont ravagé le monde. Comme quoi, l'avertissement était insuffisant. Mais c'est terminé, tout ça. Ils sont transformés en pierre, on va être tranquille. La boîte de Pandore a été le début de la fin. Bon. Avant tout, il nous faut un marteau. J'ai... Où est-ce que... Oh, peu importe. Je crois que ton ancien toi veut qu'on applique à ce marteau le pouvoir de la forge, et qu'ensuite, on passe par là. C'est bien, moi, ça. Si je comprends bien, ton essence est en dessous. Mais ça n'est pas tout. Je t'ai dit ce que c'était, ça. Oui, une boîte. Non. Enfin, si, mais... Elle a aussi renfermé toutes sortes de souffrances. Assez pour en remplir le monde. Et tu as souffert, Héphaïstos. Beaucoup souffert. Chassé du sommet de l'Olympe, rejeté, seul. Malgré toute ta générosité et malgré tous tes efforts, tous les dieux t'ont rejeté. Parce que tu étais différent. Cette boîte est le dernier indice. Typhon t'a volé tes souffrances. Et c'est pour cela que tu n'as plus de souvenirs. Alors, pour retrouver la mémoire et retrouver mon talent... Tu vas devoir ressentir les souffrances qui ont été enfermées. Vas-y. Huh.
Alors que Phénix approchait de la forge, quelque chose lui dit qu'il n'était pas seul. Encore ? Je sais pas qui c'était, mais il a pas fait long feu. La brute légendaire du Tartare. Ouais, bah j'en ai fait du Tartare. Ah, j'ai la forge, d'accord. Après avoir vaincu les Spartes arrogants, Phénix put s'atteler à la réparation de l'armure endommagée. L'armure brillait. Pas mal les métaphores. Respect. Alors, voyons cette armure. 11 d'énergie gagnée par niveau de combo. Ouais, bof.
putain. Je m'y attendais pas ça. C'était pas là? Ce sera en haut? Chaleur intense, Phoenix poursuivit sa mission. Il plongea le marteau d'Héphaïstos au cœur du feu. Prométhée, on ne peut pas gober ça. Aucun humain n'est capable de manier ce marteau. Ni de tenir des éclairs. Et pourtant, absorbant le pouvoir des flammes, le marteau se gorgea. Et Phoenix libéra ainsi la deuxième des bénédictions d'Héphaïstos. Le marteau désormais ranimé, et les souffrances d'Héphaïstos attendant en contrebas, Phoenix n'avait plus qu'à sauter. Il est où Héphaïstos? D'abord, je vais chercher les fruits, s'il vous plaît.
Et combien de fruits? 15. Et peut-être me faire de la popo quand même. Toi, tu sais que j'ai raison, que je suis nécessaire, que je suis parfait. Allez. Merde, j'étais trop haut. Allez. Oh, mais je suis un débile. Allez, on fait le... Ouais, je pense que c'est le... C'est le dernier, après on... Après on réveille... Ouais, c'est pour chercher l'essence. Donc soit je récupère l'essence et j'arrête. Je sentis dans l'air un frisson qui était bien plus que froid. Oh pardon, c'est ma nouvelle eau de toilette. Ça vient de Borée, vent du nord. Je le connais, c'est un cousin. Ah, et il ne t'en a pas donné, vent du nord. Donc soit... se déplacer étrangement. Je me demande si je pourrais m'en servir pour me déplacer. Soit je... Je pense que soit je vais... Ben, je vais faire le truc là. Si j'ai assez de temps, je délivre... On dirait que je peux modifier le sens du vent. Bah je dé...
Oh, de la merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bref. Je peux changer. Je serai le fils dont tu rêves. J'ai perdu ma boulette. Je dois la mettre où ma boulette? Ah, ça a l'air bon. Ah, d'accord. Faut que je récupère une nouvelle boulette. Qu'est-ce que... De même que tu avais rassemblé les malheurs du monde pour en faire cadeau à l'humanité, Phénix enferma les tourments d'Héphaïstos dans la boîte de Pandore. Toutes ces souffrances, toutes ces inspirations torturées. Qu'est-ce que tu veux? Le petit est un artiste. De cette boîte émergea la malveillance infligée à Héphaïstos. Malveillance, tu parles. Héphaïstos a eu la vie facile. Oui. Tu l'as jeté de l'Olympe. Sa mère l'a rejeté. Les dieux se sont moqués de lui. Personne ne l'invitait jamais à dîner, ou alors, au mieux, on le décommandait à la dernière minute. Ça arrive, Prométhée. Papa est occupé. Alors, voyons comment ça se déroule. On va aller là. Prends mon passé. Libère-moi. D'accord. Alors, il faut refaire exactement pareil. Thank you.
Ouais, j'aurais dû attendre. J'ai loupé un truc. Ah non, c'est ça. Oh mais non, non, je suis un... Je déploie même pas mes ailes, oh là là. Je veux pas faire des excuses de sac ou des trucs comme ça, mais... Oh, en ce moment, j'ai une douleur musculaire, une sorte de torticolis, mais dans le... qui me prend au niveau de la gorge, sur le côté gauche de la gorge, et au niveau de mon épaule gauche. Ah putain, c'est une horreur. Surtout pour dormir... Mais qu'est-ce que... Oh là là, le bonhomme... Je sais pas si c'est le bonhomme, ma manette, ou moi qui... Je sais pas, mais j'ai sauté pourtant et... Oh non, faut que je recommence.
Ouais, si c'est par là. Flèche par là. On y va. Bon, bah, je suis mort. GG à moi, je ne savais pas que... ça me tuait. Ou disons que j'avais oublié. Ah, le vent il est déjà dans le bon sens. Et merde. J'ai dû le toucher ou je ne sais quoi parce que ça m'a fait baisser en fait. Et c'est pas censé me faire baisser. Ah! Non, je croyais que j'avais compris, mais j'ai pas compris en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du vent, une manette qui est bloquée. J'en ai marre de ma débilité. Déjà, ça arrêtera de me faire chier. Bon, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Je serai toujours le dieu
Ah oui, d'accord. Le désespoir émergea de la flamme illuminée et Phénix le replaça rapidement dans la boîte de Pandore. Regardez Phaistos. Quand on est comme lui, on se contente de ce qu'on a. C'est lui qui a pris Hera en otage pour exiger la main d'Aphrodite. Mais je savais qu'elle ne le toucherait jamais. Du coup, elle serait en sûreté et indisponible. L'idéal. C'est lui qui a cherché le désespoir. Il l'a eu. Son fardeau était lourd. Comme l'inquiétude de Phénix, en retrouvant ses sombres souvenirs et en les rapportant à Héphaïstos, le condamnait-il à souffrir? La question le hanta tout au long de sa quête. Que les feux s'éteignent! Ouais, je sais ce que vous dites. Je regardais juste pour les coffres en fait. Parce que là, il y en a un. Et là-bas au fond, il y en a un. Le vent, il va de l'autre côté. Donc ça va pas. Voilà une foudre de Zeus. Ah merde, c'était là pour remonter. Bon bah tant pis. Ah merde, si, là-haut. Là-haut, il y avait un coffre. Ah, de la bite. Je vais voir si je peux le choper vite fait.
Merde, j'ai chié. Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, désolé pour le contretemps. Bon, allez, on fait la dernière forge. Ah merde, il remonte. Regardez-moi dans les yeux que je vous pétrifie. Allez, le dernier. Là-bas, il y a un... Oublie ta quête. Marche sans fardeau. Ah mais non, ça va pas aller.
typhon nous emporte. Défait les cruautés que nous avons commises. Ah mais non, ça va pas. Si je fais ça. Attends. Ouais. Non, d'abord. Ah mais non. Ah bah si. Je vivrai dans la flamme, et elle ne me consumera pas. Ah merde, il est là-bas mon coffre.
Merde. Petit casse-tête, sympatoche. Voilà. Et on fait le dernier. Stéropès, Brontès, vous aviez ma confiance. Et voilà. La plus sombre émotion des Phaistos fut de nouveau enfermée dans la boîte de Pandore. Les forges sont allumées. L'air devrait être assez puissant pour me soulever. La Zizanie. Sa femme ne l'aime pas et il a été condamné à des années d'exil. Mais bon, ça pourrait être pire. Ma femme à moi, c'est Hera. Mère ! Père ! Arrêtez ! Je me tiendrai mieux.
Pourquoi il y a une manette? J'ai loupé un truc. D'accord. Je t'en prie, Aphrodite. Parle-moi. Petite énigme de fin, on dirait. Et un boss. Come on.
Par contre, là, il y a une lumière, j'ai vu, qui se dégageait d'ici. Il y aurait un coffre que j'aurais oublié de prendre. Il y avait une lumière là. Regardez, on voit le faisceau de lumière là. Donc ici, il y aurait un coffre. Alors un coffre que j'aurais oublié de prendre. Ah oui, il doit y avoir un coffre, un truc. Parce qu'il fait froid. D'un seul coup, je me sens presque triste. Il y a un coffre ici. Ça c'est du feu. Ah bah voilà. Quand on cherche un peu. Voilà, maintenant on peut aller faire la suite. Désolé de ce contretemps.
La vengeance bouillonnait, à l'instar de la rage qui l'accompagnait. Tu vois, à chaque méfait que tu lui as imposé, Héphaïstos a laissé brûler sa rage et l'a métamorphosé en bienfait ses nombreuses créations. La vie promettait d'être difficile pour le petit. J'essayais un peu de l'endurcir. Je ne me rendais pas compte du mal que je lui faisais. Malveillance, zizanie, désespoir et vengeance fusionnèrent pour reconstituer l'essence jadis prisonnière d'Héphaïstos. Bah voilà. Quatre sur sept. Héphaïstos, je suis de retour et j'ai ton essence. Héphaïstos ? Phénix espérait qu'Héphaïstos était à la halle des dieux. Tu es là. Une fois dehors, je me suis demandé s'il s'était passé quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Quelque chose de grave. Comment t'es arrivé ici? Je vais peut-être un peu aider. Tu as fabriqué mes sandales et mon casque ailé. Je t'ai sauvé et amené ici. Alors je crois que nous sommes quittes. Il pense qu'on se connaît. Joue au jeu. Oui, tes sandales. Je suis heureux qu'elles te plaisent, tes sandales. Oh, j'aurais essayé. Tu as trouvé son essence? Tu es sûr que tu te sens prêt? Rien ne m'est jamais arrivé de mal. Pourquoi cela commencerait-il aujourd'hui? Père des inventions, prête-moi ton épée, ta lance, ta flèche. Transforme les ténèbres et éclaire notre voie.
revoir, mon vieil ami. Ça va, le grand? Je me souviens de tout. Laisse faire le temps. Mais il y a une chose qui me turlupine. Sans souvenir, comment as-tu laissé des indices menant à la crypte de Typhon? Pas à celle de Typhon. La mienne. J'ai si longtemps souffert. J'étais si fatigué. Avant la venue de Typhon, j'ai souvent utilisé la boîte de Pandore pour piéger mes tourments intérieurs dans cette crypte. J'avais un système. J'ai créé les indices pour retrouver mon chemin. J'étais vulnérable lorsque Typhon m'a trouvé. Je l'ai laissé me transformer en l'un de mes automates. Ça m'a plu d'ailleurs. Parce que les automates ne ressentent rien. Mais et tes indices? Tu aurais dû pouvoir retrouver ton essence. Stéropès et Brontès, mes assistants, ils m'ont trahi. Ils ont pris le premier indice, celui qui m'amenait à allumer les feux de la forge. Et d'en brûler. Non, il n'y a rien de plus cruel que l'ironie. Et par conséquent, ils ont fait de ma réclusion une prison permanente. Je connais ces noms. Ce sont des cyclopes légendaires. Si je les trouve, fais-moi confiance. Je leur ferai payer ce qu'ils ont fait. Bien. Ils ont volé l'armure que je forgeais. Désormais, elle est à toi. Et à propos de paiement, je te dois au moins ceci. Tu en auras besoin pour ce que nous avons à faire ensuite. Nous allons voler quelque chose. Oh oui! Protéger l'espoir de la maladresse et du chagrin des mortels, Zeus a caché sa forme fragile près de ma forge. Là, derrière une porte fermée, l'espoir attend. Nous devons le libérer. S'il est question d'un vol, ça m'intéresse. J'ai caché la clé dans un sanctuaire du nord-est de la contrée de la forge. Laisse-moi deviner. Sous le paillasson. C'est le meilleur endroit pour cacher quelque chose. Mais même si je parviens à voler la clé et à trouver la salle secrète près de la forge, comment va-t-on libérer l'espoir? Ensemble. Cette boîte est prête à remplir son office. Puisse la lueur d'un millier de forges éclairer de ses feux. Bon, ben voilà. Ça, c'est pour ma santé maximale. Phoenix, allez pour l'or échapper au spectre et à la... Mais il savait que Typhon attendait son heure. D'accord. J'ai pas assez... Là, j'ai pas assez non plus. Et là j'ai assez. Hop. Un petit peu de muscu.
qui te brûle les poches. On va s'arrêter là donc pour aujourd'hui. On a libéré. Désolé. Alors on a en tout début on a retransformé Arès. Et maintenant on a retransformé Phaistos, je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Phaistos. Il nous reste plus qu'un. Il nous reste plus que. C'est pas ça. C'est ça. Il nous en reste plus qu'un, je crois que c'est. Il est où? C'est ici, je crois. Chaudron. Ambroisie. Ah, c'est là. Déesse de la sagesse. Je ne sais plus c'est qui. Serait-ce Athéna? J'ai un doute. Ah bah si. En contrebas de la statue d'Athéna, au prochain épisode, on sauvera Athéna. On libérera Athéna. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci encore d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À ciao les amis.